Mes Choco Pops, j'étais tranquillement sur YouTube. Vous me connaissez, je suis youtubeuse, mais je consomme énormément de YouTube. Et je regardais un petit peu les vidéos qu'il y avait, hop hop hop. Et dans mes suggestions, je suis tombée sur quoi ? La vie de Choco, le film. Un an. Tous les souvenirs sont remontés d'un coup. Et j'ai décidé aujourd'hui de retourner dans la vie de Choco après un an. Retourner sur Fortnite, voir s'il y a toujours Gros Yeux, mon enfant Fortnite qui existe toujours, Lexa, Monsieur Pomme, l'histoire de la vie de Choco en vrai. C'est parti, je suis arrivée donc dans ma map Fortnite qui a d'ailleurs énormément changé, regardez-moi ça. Depuis quand ? Il y a un McDo. Je vous rappelle que pour ceux qui ne suivaient pas, dans la vie de Choco, il n'y avait pas de McDo. Il y avait genre juste un Burger King. Mais what ? Mais tout a changé, genre le parc, normalement ici il y avait un parc. Mais je comprends pas, même ça c'est... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Attends, la map, il n'y avait pas ça, c'est trop stylé, genre il y a une fontaine comme ça. Mais wesh ! Tout a changé, genre ils ont fait des travaux en un an, tout a changé. Mais les maisons aussi, regardez-moi ça. Mais je comprends pas du coup, ça veut dire que où vivent en fait Gros Yeux et Alexa, je comprends plus. Oula, c'est un peu bizarre, j'ai l'impression d'espionner quelqu'un, c'est un peu bizarre. Ok, non, c'est pas du tout Gros Yeux et Alexa, à moins que Gros Yeux s'est transformé en un gars bizarre. What ? C'est qui ça ? Eh, mais j'ai l'impression de découvrir des nouvelles personnes qui habitent dans la ville. Il y a un mec qui est en train... Mais pourquoi il est tout vert et tout gluant ? Et oulou ! Il m'a entendu ou quoi ? Il était en train de passer le balai directement, et directement il commence à couper des trucs. Bonjour ! Bonjour ! Vous faites un petit peu peur, hein ? Pourquoi c'est, madame ? De une, vous avez la voix d'Homer Simpson, et de deux, je suis passé devant, et vous je sais pas, vous avez des couteaux ? C'est normal, je fais des superbes potions ici. Je veux pas savoir, juste j'aimerais savoir par contre quelque chose. Est-ce que vous auriez pas vu un œil, genre... Un œil ? Deux yeux ? Un gros yeux ? Gros yeux ? Ça me dit quelque chose. C'est genre un poisson. Poisson ? Qui serait pas orange ? Par hasard ? Si, si, exactement. Ouais, Gros Yeux, il habite à droite, là. Il arrête pas de faire du boucan. Je sais pas à qui il appartient, ce poisson de merde, mais faut qu'il se casse, ça me saoule, là. Oula ! Ah, mais il fait du boucan, il arrête pas de crier de partout. Moi, ça m'énerve, je peux pas travailler, vous voyez ? Ah oui ? Et depuis qu'il est devenu une star sur YouTube, monsieur fait des soirées. Il se permet de faire ça, voyez-vous ? Bah, j'en apprends des choses avec vous. Alors là, lui, je vais lui remonter ses oreilles. Merci beaucoup, j'y vais de ce pas, à plus tard. À plus tard. Mais ça va pas la tête ? Il est... Oui ! Attendez. Quoi ? Tu sais, c'est quoi cette maison ? Normalement, la maison était beaucoup plus grande. Où est Alexa ? Je vois qu'il y a un chat dans... C'est quoi ? Sur le canapé. Il y a la télé. Un mec sur le lit qui fait je sais pas quoi. Et ben, ça m'étonne pas qu'il y ait du boucan. Pourquoi il y a un mec qui est là, il est en train de manger une pizza ? Lui, il est avec une batte de baseball. Non mais les gars, deux minutes où on parle, c'est quoi ce bazar ? Ah, c'est... Hey, dans la pizza. Qu'est-ce qui se passe ? Oh. Oh. Partage un peu. Non mais j'avoue, bon. Pourquoi tu fais le rat là ? Donne-lui de la pizza, oh là, ça c'est quoi, pas ce que tu fais. Donne de la pizza, ouais. Je sais pas qu'on a la dalle là. Ils sont trop sourds, oui. Tu donnes, sinon je te tape. Oui, non mais là il faut que j'interagisse. Vas-y, donne, wesh. Donne-lui, je te mais tape. Mais les suiveurs, le gars, le pauvre, il a une pizza, ben. Il veut pas leur donner, et oui, les autres sont en train de l'harceler. Non plus, c'est bon. Mais il est trop mignon. Wesh, mais les gars, c'est pas ce qui est en train de se passer. Mais le gars, c'est Ellie, je me souviens de lui. Vous savez, dans les anciens épisodes de la vie de Choco, il est toujours présent. Ok, il a acheté de la pizza et les autres, ils sont en train de l'agresser pour pouvoir récupérer la pizza. Ça se fait pas. Il a rien demandé. Fallait qu'ils achètent la pizza. Oh, ils sont trop embrouillés. Vous savez quoi, je vais rentrer dans la maison et je vais recadrer ce Gros Yeux. Mais avant que la vidéo débute, on fait quoi, Choco ? Choco, balance la pub ! Avant que la vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Chocoline Vanilla, activer la petite cloche des notifications, lâcher le pouce bleu et bien sûr à mettre son code créateur CHOCO dans la boutique de Fortnite, C-H-O-C-O-H. Merci à vous. Toc toc toc. Toc toc toc, vite. Ah si, il toc là. Va ouvrir. C'est qui ? C'est qui ? Alors, bonjour, bonsoir. Bonjour madame. Mais mon nom ? Gros Yeux. Ellie, oui, c'est quoi tout ce boucan là ? Ah là, il y a plus personne qui parle, tu regardes à droite et à gauche. Non mais Gros Yeux, tu me regardes moi là. C'est moi que tu dois regarder. C'est mon gros crâne que tu dois regarder. Retourne-toi. Ouais. Là, tout le monde a vu ce que t'as fait. Ça va pas ou quoi ? T'es en train d'agresser Ellie et en plus de ça, tu me parles pas. Vous savez quoi ? Alors on va faire un tri. T'es qui toi ? T'inquiète. T'as dit quoi là ? Répète. T'inquiète. Tu sors tout de suite. T'inquiète. Tout de suite. Eh mais c'est des malades hein, les enfants hein, de nos jours. Ceux qui regardent la vidéo, dites-moi dans les commentaires quel âge vous avez. Ils sont malades hein, beaucoup trop à l'aise. Alors, ok, toi aussi tu dégages, désolé Ellie, je t'aime bien, mais là, il va falloir faire un petit tri, là. Là, je dois avoir une discussion avec... Il a même pas eu le temps de parler avec moi. Il est parti en courant. Non, tu peux partir, hein, Ellie, je t'ai pas demandé de revenir. Voilà, c'est ça les enfants qu'on veut de nos jours. Et vous ? Moi, je suis le petit frère de Gros Yeux. Le quoi ? Le petit frère de Gros... Petit frère, oui. Le petit frère qui est plus grand que moi ?
Bah oui, en fait, moi, vu que je suis un chat, je grandis assez vite. Mais je suis tombée où? T'es en train de me dire que moi, la Choco, la maman de gros yeux qui est mon enfant, ok, mon enfant Poiscaille, t'es en train de me dire que j'étais pas au courant qu'il avait un frère? Bah oui, ça fait longtemps qu'il t'a pas vu. Ça fait un an, près d'un an. C'est beaucoup un an. Il a pu se passer beaucoup de choses quand même. D'accord, et raconte-moi ton histoire alors, je veux tout savoir. Alors moi en fait, j'étais un petit chat qui a été abandonné dans la rue et en fait, il y a ton fils, comme un très gentil enfant, il m'a recueilli et il m'a amené ici et il m'a dit que dorénavant, je serais son petit frère. Oh non, mais c'est trop chou, moi qui étais avec votre gros yeux, maintenant ça m'a attendri. Oh non, et tu t'appelles comment? Moi je m'appelle Chatouille. Non! Si, je m'appelle Chatouille. Mais c'est trop mignon. Déjà, l'histoire, elle est beaucoup trop triste. Et en plus de ça, t'es en train de me dire que tu t'appelles Chatouille. Bah oui. Les mouchoirs. Il me faut des mouchoirs. Attends, je vais moucher. Désolée, 2 secondes. C'est bon, ça va mieux? Oui, ça va mieux. Bah attends, mais du coup, bah, t'as quel âge? J'ai 3 ans à peine. T'as 3 ans et tu sais parler? Oui, parce que je suis un chat et moi, on apprend super vite à parler chez nous. Mais c'est trop mignon. Il est où, gros yeux? Je sais pas du tout, je crois qu'il est parti faire un tour. Mais du coup, vous avez déménagé ici depuis combien de temps? Depuis vraiment pas longtemps, parce qu'en fait, on avait besoin d'argent pour me nourrir, vu qu'on était 2, et du coup, on a revendu une maison pour en acheter une plus petite. Oh non, je suis désolée maintenant d'avoir abandonné gros yeux, en fait. Ça me met trop mal à l'aise. C'est pas grave, mais voilà, quoi. Mais où est-ce qu'il est? Gros yeux! Oh non. Gros yeux! Oui? T'étais là en fait depuis le début, t'étais en train de m'écouter. Ouais, non. Ouais, t'étais clairement par la fenêtre. Eh, hey, tu me vénères. T'inquiète, c'est bon, c'est passé quand j'ai appris l'histoire du coup de Chatouille! Et du coup, c'est pas grave, je t'en veux plus. Et sûr? Oui, je t'en veux vraiment plus. C'est vrai, en vrai. Vraiment? Oui, vraiment, c'est moi, je vous ai abandonné, ça fait un an. Ta voix, elle a vraiment encore plus mué. Punaise. Il grandit, gros yeux grandit. Et ouais. Punaise, mais tu grandis trop. Dans les commentaires, dites-moi quand est-ce que vous avez connu gros yeux. Mais gros yeux, je pense que quand on s'est connus, bah, je devais avoir moi 16 ans. Hein. J'avais 2 ans de moins, du coup. Punaise, oh là là. On est en train de vieillir. Oh mon dieu. Oh, t'imagines gros yeux vieux. Qu'est-ce que ça va donner? Choco vieux. Non. Alors, bah, les abonnés aussi seront vieux. Alors là, c'est mort. Et Chatouille, il a que 3 ans. Oui. Mais regarde comment il est grand. Eh, il est plus gros que toi. Arrête. C'est toi l'enfant maintenant. J'ai une question. Oui? Est-ce qu'on peut dire que t'es ma maman maintenant? Est-ce qu'on peut dire que je suis ta maman? En fait, ça dépend. Ça dépend si, genre, je compte revenir maintenant. Et ça dépendra que dans les commentaires. Genre, si vous voulez le retour de la vie Choco, mais genre, sincèrement, par semaine, une petite vidéo par semaine, genre, un petit épisode par semaine, si les abonnés le veulent. Moi, je suis clairement chaud. Et cette fois-ci, je recommencerai et je serai de retour. Est-ce que vous voulez, dans les commentaires, je veux voir 10 000 pouces bleus en 2 semaines. S'il y a 10 000 pouces bleus, je reprends vraiment la vie de Choco une fois par semaine. 10 000 pouces bleus en 2 semaines. Tiens là, je vous invite à partager cette vidéo partout dans vos groupes de famille et tout. Et depuis tout à l'heure, vous êtes en train de me casser le cou. Et du coup, Chatouille... Mais c'est trop bizarre de dire Chatouille. Chatouille, du coup... Cherche pas le nom, je te dirai dans un prochain épisode, peut-être. Ah ouais, c'est pas son vrai nom? Si, c'est son prénom, mais... Il y a un deuxième prénom? Ok, d'accord, tu me diras peut-être aux 10 000 pouces bleus. Chatouille, bah du coup, oui. Tu es mon enfant. Oh, trop cool, j'ai une maman maintenant, trop cool. Oui, je suis trop content. Mais c'est trop mignon. Mais je peux pas vous abandonner maintenant. C'est pas possible, genre, maintenant que j'ai rencontré Chatouille, sans vouloir t'offenser gros yeux, je trouve qu'il est beaucoup trop mignon, genre ça va être mon nouvel enfant. Mon enfant préféré, oh. Mais aussi, maman, on a fait quelque chose pour toi avec gros yeux, on a fait une petite poésie. Une poésie? Oui. Ouais, une petite poésie, attends. Petit aparté, pose gros yeux, pose Chatouille. Je trouve ça insane. Genre, je suis trop nostalgique. Faut pas que je pleure. Mais je trouve ça trop... Genre, ça me fait trop bizarre de reprendre la vie de Choco. Ça fait trop bizarre, genre ça me touche parce que là, ça me refait penser à la période où j'allais à l'école, je rentrais chez moi, je faisais mes devoirs, puis ensuite je tournais des vidéos et après je retrouvais gros yeux. Ça me touche trop et après j'avais vous, genre j'avais ma communauté de vidéos Fortnite, RP et tout, et ça me touche trop. En tout cas, je veux voir un max de cœur dans les commentaires. Ok, ça va mieux, reprenons la vie de Choco et cette vidéo. Re gros yeux, re Chatouille. Vas-y. 3, 2, 1... Et 1. C'est trop mignon. J'ai 2 enfants. Maintenant que Lexi en plus elle est partie. J'ai 2... Oh!
C'est trop mignon, merci beaucoup. Faisons un câlin. C'est trop chou. Oui. Maman, je sais pas. Regarde. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que vous faites? C'est une blague. Oh, je suis juste à côté, je vous adore faire du bruit à longueur de journée. Mais, vous êtes malade? Vous êtes censé ce que vous êtes refait? Vous voyez pas qu'il y a des enfants qui ont peur? Vous sortez tout de suite. Pas peur. Sortez tout de suite chez moi ou j'appelle la police. T'inquiète. Et c'est qui? Vous dégagez. Non. Dégagez, dégagez. Ça va pas. Dégagez, mais ça a pas la tête. Vous toquez la prochaine fois. Ça va pas. Non, mais. Chatouille, ça va? Elle m'étonne. Tiens, c'est calme. Chatouille, viens. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'était juste un fou. Vous savez quoi? Restez ici. Rosie, restez avec Chatouille, j'arrive. Attention, maman. Oh, il est trop mignon. Il est trop mignon. Mais je vais lui demander comment rentrer. Pourquoi je peux pas rentrer par sa fenêtre pour lui faire peur? Monsieur, vous m'ouvrez? Oui, allez-y. Hein. Ça va pas, vous? Pourquoi vous êtes rentré chez moi par effraction? Pour dire à vos enfants qu'il fallait arrêter de faire du bruit, voyons. Mais vous allez arrêter de me faire chier. Pensez vraiment que vous aviez raison, que gros yeux faisait vraiment du boucan. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai emboucané. Et en fait, je réalise que c'est juste vous. Vous avez pas de vitre. Regardez-moi ça. On peut rentrer par votre vitre. C'est normal. C'est de votre faute. Vous avez qu'à acheter des fenêtres, en fait. Achetez-moi du double vitrage au lieu de nous casser les pieds. Oh, on est en train de passer un bon moment en famille. Et vous, vous... Ouais. Et après, vous dites que je rentre par effraction, mais regardez-vous, vous aussi, vous rentrez par effraction. Mais vous êtes fou, en fait, vous êtes vraiment bête parce que vous êtes aussi rentré chez moi par effraction. Hein? Moi, c'était pour vous. Je m'en fous, je m'en fous, me faites pas chier, vous savez quoi? Restez chez vous, embrouillez d'autres voisins. Ouais, j'ai que ça à faire, je vais vous parler aussi mal que vous. Vous rentrez chez moi, et ben je vais vous parler mal, voilà. Vous allez la jouer comme ça. Oula! Alors, hey, quand on monte les couteaux, vous avez peur, hein? Mais qu'est-ce qu'il y a, maman? Il a dit quoi là? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'on va manger un McDo? Allez, venez, on va aller manger un bon petit McDo. Vite, courez! Plus vite qu'il court! Vas-y, passe devant Chatouille! Allez, allez, allez! Voilà, Chatouille, allez, gros yeux! Wouhou! On va manger un bon petit McDo, un bon petit McDo! Qu'est-ce qui se passe, maman? Pourquoi t'es super pressée comme ça? Parce que j'ai faim, j'aime beaucoup McDo, vous savez, vous me connaissez. Un bon petit McFirst, miam, miam, miam! Ah, mon petit McDo! Vous venez vite, voilà, c'est par là! Ok, on rentre, pop, pop, pop! On commande! Ah, ouf! Ok, on va pouvoir commander tranquillement! Chatouille, tu veux quoi, toi? Moi, je veux bien un McFirst poisson frites coca. T'as dit quoi? Poisson? Poisson, oui, bon, arrête, Gros, j'ai pas commencé à nous la jouer. Gros yeux, ce sera quoi pour toi? Maxi Best of double cheese frites coca. Ok, parfait. Moi, je vais rien prendre, c'est juste pour vous et pour surtout échapper aux voisins. Hop, commandez. Et t'as dit c'est maman? Comment? Oh mon dieu, courez. Chatouille, viens, viens. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à y la zioter, ma vidéo s'affiche à l'écran, donc n'hésitez pas à y la regarder. Je vous fais des très gros bisous.